Dédé, je suis venu. Salutations, Dédé. Salut. Nous sommes venus en paix, nous le garde du palais royal. Le roi m'a envoyé. Je t'écoute. Le roi m'a envoyé de déposer tout ceci en signe de reconnaissance pour son intention de venir épouser votre fille à Kudo. Et il m'a aussi demandé de vous donner ceci. Dédé, il voulait que vous ayez ceci. Dike. Dédé. Va dire au roi que l'acceptation de ces cadeaux dépend de ma fille. Quand elle va rentrer et donner ses consentements, je vais revenir vers le roi. Mais je vais dire que le roi garde d'abord ses cadeaux. Pardon. Aidez-moi à ramener ces cadeaux dans la voiture. Et puis, prends ceci. Tu peux lui donner. Dédé, s'il te plaît, je ne peux pas rentrer avec ça. Je t'en supplie. Le roi de ce royaume va couper ma tête à cause de ça. Dédé, nous allons faire ceci, s'il te plaît. Lorsque votre fille va revenir, laisse que ce soit elle qui soit en mesure de dire si elle veut ou pas de ces cadeaux. Au cas où elle rejetait, c'est bon, c'est à ce moment que vous pouvez venir remettre là-bas au palais. Dédé, je vous en supplie, je dois maintenant partir, s'il vous plaît. Je m'excuse. C'est quel genre de trouble? Ndoka. 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 Où est ce célibataire qui s'appelle mon fils? Ndoka. Hey, Ndoka, Ndoka. Où est Ndoka? Je te demande de savoir où est Ndoka. Maze, bonjour. Ndoka était allé au champ d'Itier pour sarcler. Et qu'est-ce que tu fais dans ma maison quand Ndoka n'est pas là? Et regarde la manière dont tu t'adresses à moi. Avec une petite culotte. Bébé, s'il te plaît, viens, nous allons continuer. Oh, on dit où? Mais non, tu es maintenant un bébé. Tu es maintenant un bébé, n'est-ce pas? Regarde, Mazé, ce n'est pas ce que tu penses. Je sais seulement... Je n'ai pas besoin de toutes ces explications. Je veux juste comprendre ce qui se passe ici. Bébé, c'est qui cet homme qui me parle de cette façon? S'il te plaît, allons-y. Tu es maintenant un bébé. Et tu as amené cet hibou dans ma maison. En plus, tu lui as dit que je suis un semeur de troubles maintenant. Ok, j'arrive. Merci. J'arrive, vous allez me voir. Attendez-moi, n'allez nulle part, attendez. Mais c'est quoi? Où est-ce que je vais? Tu peux entrer là-bas, hein? Prépare, sois à l'aise, hein? Mais attends, non? Akudo, je t'appelle. Papa, ne me parle pas, ne me parle pas. Akudo n'est pas d'accord. Ah, est-ce que tu peux m'écouter? Je leur ai dit de rentrer avec les cadeaux. Jusqu'à ce que tu vas donner ton consentement. Papa, il ne fallait pas accepter. Tu le sais très bien que je ne veux jamais épouser le roi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire?
Papa, c'est ce que tu me demandes? S'il te plaît, tu dois juste remettre tout ça au roi. Parce que mon cœur appartient à Udoka. Et je ne dirai jamais oui au roi. Tu dis Udoka? C'est lui tu as fouillé? Hein? Est-ce que nous sommes en train de considérer les autres options? C'est ce qu'on va faire. Akudo, tu dois m'écouter. Papa, je ne vais pas t'écouter. Oh. Tu dois juste remettre ça. Laisse-moi tranquille. Akudo! S'il te plaît. Akudo! Ne m'appelle pas Akudo. Oh non, tu assieds toi. Oh non, debout. Debout pour que tu réfléchisses bien. Tu es assis sur ton cerveau. C'est pourquoi tu ne réfléchis pas bien. Onochi, tu parles trop. Tu ne parles même pas comme un homme. Assis-toi par Lyon. C'est quoi ton problème? Hein? Mon problème, c'est vous. Parce que tu n'es même pas supposé te mettre où les anciens sont assis. Regarde combien tu y es gras. Tu es capable de manger la nourriture de tout le monde. Hein? Est-ce que c'est normal tout ça? Je te pose la question. Nous n'avons pas encore eu la solution. Et tu t'es tué de toi-même. Tu es troublé. Maintenant, la solution se laisse voir. Tu es toujours comme ça. C'est quoi ton problème? Mon problème est que je vais bientôt vous déranger. Tel est mon problème parce que je vais encore vous déranger car vous ne savez pas ce que vous dites. Tu n'es pas supposé prendre part dans cette réunion. Elle appartient aux vieux. Olochi, tu commences à m'insulter. Regardez, mes anciens. Onou, je n'accepte plus ça. Mais toi, ne perds même pas le temps d'utiliser des injures. Tu ne sais même pas. Les injures appartiennent aux hommes. Et non pour des gens comme toi. Tu ne sais même pas ce que c'est une insulte. Assez, Olochi. Ce que tu fais, c'est nous insulter tous ici. Nous avions laissé le palais pour se réunir ici. Arriver ici, il n'y a pas toujours la solution. Au lieu de s'excuser pour avancer avec les choses, tu nous les rends encore difficiles. C'est quoi ton problème? Regarde celui-ci, il nous a même supplié pour devenir membre du cabinet. Hein? Mais non, il se met à parler. D'ailleurs, je ne veux même pas m'occuper de toi. Si tu le veux vraiment, hein, il y a beaucoup de choses que je vais te dire et tu vas commencer à pleurer. Mazo Noche, s'il te plaît, ça suffit. Non, mais toi aussi, est-ce que tu peux te taire? Hein? Regarde celui-ci. Je connais même quand ton papa est en train de travailler sur sa moto. Il couchait avec des cadavres. Je ne sais même pas s'il était en accord avec ceux qui achètent des organes. Hein? Mazo Noche, tu parles beaucoup avec l'impunité. Et en tout, tu as toujours tort. Tu t'adresses aux anciens comme si tu t'adressais aux gamins. C'est la seule chose à laquelle tu es bonne dans ces villages. C'est juste avec des gros mots. Et je ne suis même pas sûr que tu connais la signification de ce que tu es en train de dire. Oh non, Che. Est-ce que tu as fini avec tes bêtises? Et tu sais quoi? Tu dois te taire. Et vous tous, cette réunion est terminée. Oh non, Che, je t'ordonne de retirer tes mots maintenant. Moi, retirer mes mots? Oui. Levez-vous. Mais comment est-il? Quittez ma parcelle. S'il vous plaît, allons-y. Hein, allons-y. Toi, là, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux raconter ici? Hein? On ne blague pas avec moi. Toi aussi, lève-toi, va-t'en. Des insensés. Je ne sais même pas qui vous a donné vos trucs rouges sur vos têtes, là. C'est du n'importe quoi. Regardez-vous, hein. Sans importance. Oh, tu es ici en train de dormir, pendant que ta maison est en feu. Regardez-moi, c'est fou. Hiro est là, en train d'envoyer des cadeaux à sa belle famille. Et très bientôt, il ira demander sa mère en mariage. Et toi, tu es là en train de dormir. Est-ce que tu peux te lever de cet endroit? Va au bureau de Monsieur Greblay. Va lui demander de trouver un acheteur pour notre terrain qui est là. Hein? Nous allons vendre ce terrain et payer la dot de notre femme. Nous allons pour cette fois frapper Hiro. Ne suis-je pas en train de parler à un humain? Papa, en tout cas, je suis vraiment désintéressé. J'étais vraiment effrayé de t'en parler. Et je ne pense plus qu'Akudo est intéressé à moi. Oui, parce que elle m'avait surpris en train d'embrasser Amouche. C'est Amouche qui était en train de m'embrasser. Hein? Oui. Laisse-moi maintenant te poser cette question. Ai-je forcé votre relation avec Akudo? Non, papa. Quand je t'avais dit que je voudrais que tu épouses Akudo, qu'est-ce que tu m'avais dit? J'avais dit que nos esprits étaient d'accord parce qu'on était déjà amoureux. Merci.
Non, mais non, je suis en train de te parler, tu es toujours là, idiot. Reviens ici, imbécile. Ok, oh, arrête. Je veux penser à propos de ça. Ok. Promets-moi que tu vas accepter de lui parler. Je vais essayer. Mais tu sais qu'Amouti est derrière lui. Alors comment il peut permettre à une fille d'être à côté de lui sans pour autant l'embrasser? Tu connais comment notre ami Akmouche est persistant. Quand il veut quelque chose, accepte de le parler, ok? Je sais qu'il t'aime toujours et tu l'aimes également. S'il te plaît, vas-y et laisse-moi préparer quelque chose pour mon père. Tu es déjà prête? Je ne le suis pas. Allez, va là-bas, bye laisse-moi bye. Tranquille. Ah, mon beau-père. Ah, mon beau, tu te promènes. J'étais en train de venir chez toi. Ah, c'est une bonne chose. Oh. Bienvenue. Tu vois, Naughty. Uh-huh. Mm-hmm. Je n'ai aucune raison d'aller à l'encontre de notre arrangement. Non seulement parce que tu es un homme bien, mais parce que ma fille aime ton fils beaucoup. Mmh. Oui. Et je suis sûr. Tout va bien. Ça ira. Vraiment. Et maintenant que vous avez dit ça, uh-huh. J'ai pu maintenant bien respirer. Ok. C'est bien. J'ai plus d'inquiétude. Il n'y a pas à craindre. En tout cas, merci. Ok. Beaucoup, hein. Pas de problème. Hein. Ça va. Hein. Vraiment, mes salutations à mon gendre. Non, mais ça lui parviendra. Merci. Maintenant, on peut aller prendre le vin de palme. Oui, c'est là-bas. Oh, avec plaisir, mon beau. Avec plaisir. Oui. Merci beaucoup. Oh, quelle chance. Mon beau à moi, c'est bien. As-tu pensé à ce que je te dis? Je suis bien là, mon ami. S'il te plaît, tiens-toi. Non, je voudrais que tu me pardonnes d'abord. Hein? Je suis désolé. Ikem, tu sais bien que je t'aime. Je suis revenue vers toi. Je peux pas t'abandonner juste à cause de ça. Je voulais juste que tu saches que ce que tu avais fait n'était pas bon. Je suis désolé. S'il te plaît, j'ai appris une leçon. Rester pendant longtemps loin de toi, ce n'est pas facile. Je ne ferai plus, je te promets. Ok, mon amour, merci. Je t'aime. Je t'aime plus. Je vais t'aimer plus encore. Oui. Est-ce que je t'ai manqué? Tu m'as aussi manqué, mon chérie. Je t'aime beaucoup. Ok, attends, moi j'arrive. Je cherche quelque chose à la maison. He's the king of the kingdom. King of the people, and he has so many missions. For affected with affliction, he's the ruler of the land. King on the throne, and he has so many missions. For affected with affliction, he's the king of the kingdom. King. Je vous présente le roi. Je vous salue tous. Je vous salue, votre majesté. Je vous reçois à la maison avec l'honneur. Merci. Non. Bienvenue. Merci. S'il vous plaît, approchez et prendre place. Oh non. Je veux bien. J'aimerais juste essayer d'un tout petit peu parler avec Akudo, s'il vous plaît. Akudo. Oui. Akudo, allez-y.
S'il vous plaît, mes excuses. Ok, ok, d'accord, monsieur. Comment vas-tu? Je veux bien. S'il te plaît, assieds-toi. Je peux savoir de quoi veux-tu me parler? Moi, vouloir te voir, c'est parce que je voulais te parler. Et ce n'est pas par le fait que tu as accepté d'être avec moi. C'est juste parce que je ressens quelque chose pour toi. Quelque chose que je n'ai jamais ressenti pour quelqu'un et que j'ai ressens ça pour toi. Et je suis si passionné pour toi. S'il vous plaît, mon roi, je ne me sens pas confortable pour discuter. Je suis sûr, Akudo. Dis-moi que tu ne m'aimes pas. Dis-moi que tu ne penses pas à moi. Dis-moi que tu ne m'as pas vu dans tes rêves. Non, dis-moi la vérité. Akudo, laisse-moi te dire. Si je suis dans ça, c'est parce que je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Je veux que nous partageons quelque chose de bon. S'il te plaît. Désolé, mon roi. Akudo, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis-moi que dans tes rêves, tu ne m'as jamais vu. Dis-moi que tu ne m'as jamais vu avant. Donne-moi une chance. Désolé, mon roi, mais je peux pas. Akudo. The king of the kingdom, king of the people, and he has so many missions. For affected with affliction, he's the ruler of the land. What is love without you inside of it? Where's my heart without you inside of it? And true love is hard to find, but we. C'est si bon. Franchement, c'est bon. Je ne sais même pas comment dire. Salutations. L'œil de Dieu. Garde tes salutations pour toi, toi fille de malheur. Pourquoi tu as choisi d'être l'ennemi de la déité de Umuke? Un ennemi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu oses me mentir? Je vois que tu as un certain pouvoir avec toi, Akudo. Mais je vais te montrer que tu ne peux pas m'égaler. Je vais te revenir. Moi, j'ai le pouvoir. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Akudo. Papa. Qu'est-ce qui te dérange? Papa. Qui suis-je? Hier, j'avais rencontré l'œil de Dieu. Ah. Juste après, je vis ma mère avec une flamme. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas avec moi?
Akudo. Papa. Tout ce que je peux dire est que tu es vraiment une fille spéciale. Tu vois, tout a commencé avant ta naissance. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Arrête, s'il te plaît. C'est juste à cause de ces insultes du marché. Toi et moi savions que Dieu te donnera un enfant. Alors, s'il te plaît, arrête. Arrête ça. Quand, comment, tu poses maintenant des questions à Dieu? Il connaît son temps. Il te donnera un enfant au temps convenu. Arrête de pleurer. Toi et moi savions la raison pour laquelle je suis encore dans ces mariages. C'est juste parce que mon mari m'aime beaucoup. Sinon, j'aurais déjà fait mes valises. Tu es ici parce que tu devais être là. Dieu sait tout ça. Le fait qu'il t'ait placé ici signifie que tu devais être là. Alors, il ne faut pas pleurer pour les hommes, pleure pour Dieu. Il va te les donner au moment opportun. Alors arrête tout ça là, je t'en prie. Oh, arrête, viens par ici, viens par ici. Oh, ne me pousse pas à pleurer avec toi, oh. Ok, ne continue pas sinon je vais pleurer avec toi, oh. Ça ne suffit pas, hein? Je t'ai dit de ne pas pleurer. Le larme ne donnera pas la solution à ces problèmes. D'ailleurs, c'est vraiment moi qui devrais pleurer. Hein? C'est moi. Pardon, cesse de pleurer. C'est fini. Ah! C'est Dieu qui donne les enfants aux... Rappelle-toi d'Anne de la Bible. Elle a pleuré. Avait-elle eu l'enfant? Jusqu'à... avait demandé à Dieu. Et Dieu lui avait donné l'enfant. Hein? Dieu lui avait donné sa miel. Pardon. Je t'en supplie plus. Cesse de pleurer. Ne pleure pas. Je ne me tracasse pas. Je sais. Je t'aime. Pardon, ma chère. Mais... entrons dans la maison. Je veux aussi que vous sachiez que les dieux des montagnes, aussi les dieux des vallées, vous a déjà exaucé. Vous allez bientôt entendre les cris des bébés. Je parlais des bébés et non un bébé, ok? Essuie tes larmes, ok? Je veux juste que tu essuies tes larmes. Pasteur. C'est juste que ça prend beaucoup de temps. Et je suis perdue. Je ne crois plus en Dieu. Bien sûr que oui. Mais parce que ça prend trop de temps. Arrête de douter de Dieu. Les paroles de Dieu sont plus rassurantes que celles des hommes. Et tu vas bientôt entendre les cris des bébés. Amen. Amen. Et t'as déjà exaucé. Essuie les larmes. Je veux que tu essuies tes larmes. Ne t'en fais pas. Ça va aller.
Ah, monsieur et madame Chinese. Oui, pasteur. Pasteur, bienvenue. Comment allez-vous? Je vous aime. Oui, bien, nous sommes bien, pasteur. Content de l'entendre. Ok. Pasteur, je suis enceinte de 6 semaines. Oh, notre Dieu est bon. Merci, papa. Ah, mais pasteur, je suis vraiment heureux. C'est juste que je fais un cauchemar et je pleure. Mmh. Des cauchemars? Oui, je suis vraiment effrayée. Non, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est que tu portes dans ton sein un enfant de Dieu. Mmh? Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. D'accord, pasteur. Alors nous allons prier que Dieu balaye tout esprit de peur. Mmh? Oh, tout-puissant éternel Père de gloire, c'est entre tes mains que je viens laisser cette femme. Père, je prie que tu mettes de côté tout esprit de peur en elle. Père, je prie que tu la protèges maintenant jusqu'à ce qu'elle aura mis au monde. Et seul ton nom sera glorifié. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Saint-Esprit. Oh mon Dieu! Pourquoi je suis toujours dans cette condition? Ça, c'est le 12e mois. Je suis supposée de mettre au monde. Il y a un problème avec cet enfant que je porte. Ah, tu vas me tuer où? Hein? Je t'ai dit, attendons les bons moments de Dieu. Hein? Regarde, il fait des bonnes choses au bon moment. Quand l'heure viendra, tu mettras au monde. Est-ce que c'est une chose grave qu'il peut manquer de faire? Hmm? Et je parlais au pasteur. Le pasteur m'avait dit que il n'y a pas de problème. Bientôt tu vas donner naissance. Hein? Il n'y a rien qui est difficile à Dieu. Tu mettras au monde. Peut-être aujourd'hui ou demain. Hein? Quand? Combien de temps? Combien de temps faut-il que j'attende? Attendons le moment de Dieu. Patientons seulement. Pardon, mon amour. Hein? Ne pleure pas comme ça. Hmm? Ce n'est pas bien pour ton état. Hein? Quand je te vois comme ça, ça m'affecte aussi. Oh. Ça me dérange beaucoup. Oh. Hein? Je t'en supplie. Je sais que tu finiras de donner naissance. On ne sait pas encore le plan de Dieu. Patientons encore. Et bientôt, peut-être demain, aujourd'hui, ou peut-être après-demain. Dieu nous assistera. Ah, pasteur, je suis inquiet. Il faut toujours continuer à prier. Hein? J'ai prié. Ce n'est pas bien, ce ne sont que des épreuves. N'abandonne pas ta foi en Dieu. Hein? Pasteur, la chose est que je suis vraiment inquiet. Vraiment inquiet, pasteur, tu vois. Ma femme, sa grossesse a déjà atteint 12 mois. Normalement, elle devrait donner naissance à 9 mois. 9, 10, 11, 12. D'accord. Est-ce que vraiment tu espères en Dieu? As-tu vraiment foi en Dieu? J'ai la foi en Dieu. Mais hein? J'ai la foi. Tu es un chrétien. Pasteur, j'ai la foi. Mais ça ne s'accomplit pas. Ah. Écoute-moi. Quand j'étais en train de prier,
Dieu m'avait révélé que cet enfant était un enfant très spécial. Continue à croire, hein? Laisse-moi te dire, tu es la tête de cette famille. Tu dois absolument croire en Dieu pour que ta famille aille de l'avant. Rentre à la maison. Fortifie ta femme. Ayez foi en Dieu et continue à prier. Hein? Ne vous inquiétez pas. Nous allons bientôt sourire. Hein? Croyez Pasteur, en Dieu. Hein? J'ai la foi où? Il faut seulement avoir foi en Dieu, ok? Ok. Ne perdez pas la foi, s'il vous plaît. Je sais que j'avais demandé l'enfant à Dieu. Mais voici enceinte. N'est-ce pas que je suis supposée mettre au monde? Il ne voit pas que ça fait déjà 12 mois. Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi suis-je encore dans ces conditions? Pourquoi tu fais ça à toi-même? As-tu oublié combien de fois tu as pleuré pour que Dieu te donne un enfant? Maintenant tu as un enfant, tu continues de pleurer au lieu de remercier Dieu. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Sais-tu combien je souffre? Sais-tu combien je suis embarrassée dans ce village? Ils disent que je n'ai pas porté un enfant, je portais une pierre. Peux-tu supporter tout ça? Ça, c'est ce qu'ils sont en train de te dire. Mais quand ils te disent ça, toi-même, qu'est-ce que tu leur dis? Portes-tu un bébé? Cet enfant bouge. Si réellement il bouge, donc tu sais que tu as porté un enfant. Ce que tu dois faire, c'est de te mettre à glorifier Dieu. Pourquoi tu te mets à pleurer comme ça? N'est-ce pas que c'est ce que tu voulais? Je veux mettre au monde. Tu veux mettre au monde? Je veux mettre au monde. Tu veux mettre au monde? Et tu veux mettre au monde au bon moment. Arrête ce que tu es en train de faire. Oh! Je vais te réjouir comme père. Je n'aime pas ce que tu fais. Oh. Ça ne me plaît pas ce que tu es en train de faire là. Hein? Tu vois ce que tu fais? Notre Dieu est merveilleux. Hey, ma femme. Attends. Pourquoi tu balayes? Mon mari. Mmh? Mais tu m'as trouvé en train de balayer. Attends, tu sais que j'aime faire toutes choses pour toi. Je n'aime pas que tu balayes. Donne-moi ces balais. J'aime que mon bébé se relaxe. Et toi aussi, entre à l'intérieur et relaxe-toi. Okay. Je viens balayer. Mmh. Hein? Je crois que tu as aimé les repas que j'ai préparés hier. Je vais préparer c'est encore bien. Aujourd'hui comme ça. Si je finis ici, je vais les faire. Mmh. Alors, c'est à moi de balayer. Okay. D'accord? Nous sommes d'accord. Je l'ai fait. Quoi? C'est quoi? Non, ça va. Il n'y a rien. Oui. Alors, je fais d'abord ce que je t'ai dit. Oh. Tu dis? Tu n'es pas bien. Oh. Tu n'es pas bien. Oh. Tu n'es pas bien. Non. Allons voir, Ada. Non, allons, je vais t'accompagner chez Ada. Je t'amène chez l'infirmière Ada. Allons, dépêchons-nous d'aller chez Ada. Hey, attends. Hey, lentement. Hey, lentement. Hein? Hey. Désolé, oh. Hein? Désolé, nous allons arriver bientôt. Désolé. Oh. Désolé. Lentement. Ok. Désolé. Désolé. Infirmière Ada, oh. Désolé. Lentement. Désolé. Infirmière Ada. Oui. Infirmière Ada. Oh. Hey. Hey. Non. Lentement. Désolé. Hey, attends, lentement. Lentement, ok. Tiens-toi debout, lentement, ok. Allez-y. Désolé, oh. Ok.
Désolé. Désolé. Sors comme ça, sors comme ça. Désolé. Désolé. Pas comme ça. Pousse. Voilà. Écarte. Jésus-Christ. Hey. Akudo. Probablement. C'est de cette façon que tu avais eu ton pouvoir. Tu es spécial. Tu sais que je ne blague pas avec toi et je ne joue non plus avec toi. Je veux que tu sois heureuse tous les jours parce que tu y es très spécial pour moi. Je suis à l'intérieur. Il est où? Où est ce monsieur qui s'appelle roi? Il est où? Montre-toi, idiot! Montre-toi! Il est qui où? Es-tu? Hein? C'est comme si tu n'as pas de bannière. Hein? Quelque chose ne marche pas avec toi. Il est certain que quelque chose ne va pas avec toi, idiot. Ike? Mon roi. Laisse-les libres. Il a le sang de son père. Voilà, tu sais très bien que je porte le sang de mon père et ça circule dans mes veines. Et telle est la raison que tu dois laisser Akudo pour moi. Je ne peux pas partager ma copine avec toi. Elle n'est pas faite pour ça. Même si elle était tellement grasse, je n'allais pas la partager avec toi parce que je la voudrais entière. Alors, Igo, s'il te plaît, je t'en prie, laisse ma copine tranquille. C'est tout ce que tu avais à dire? Je suis pas venu pour me battre contre toi. Mais la prochaine fois que je viendrai ici pour le même problème, je ne reviendrai pas seul. Je reviendrai avec tous les démons qui m'avaient laissé quand j'avais donné ma vie à Jésus. Attends, tu verras. Écoute-moi maintenant. Lorsque j'aurai fini avec toi, tous les démons qui t'avaient laissé lorsque tu avais donné ta vie à Jésus-Christ vont aussi donner leur vie à Jésus-Christ. Arrêtez-les. Prenez-le, prenez-le. Quoi? Vous êtes quoi? Laissez-moi. Laissez-moi. Des faux. Qu'est-ce que vous faites avec mon corps? Allons-y avec lui. Laissez-moi calme. C'est un folie, c'est un imbécile. Mais Sandra, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Écoute, je suis tellement fâchée, je suis fatiguée de tout ça. Il continue de se rapprocher de cette fille. Je peux pas m'arrêter à cause de tes caprices. Nous avons un plan, souviens-toi. Je vais le faire. Bien. Reviens à la raison, Miss Sandra. Allez, tu peux pas le faire dans ces états. Tu peux pas. Je suis heureuse que tu sois venue ici avec moi. Tu peux le dire encore. Je hais cette fille. Oh, papa, tu es là. Akudo, je t'ai connu, ça fait des années. Je connais quand
ça va avec toi? Tu as grandi sous mes yeux après le décès de ta mère. Je connais quand ça ne tient pas avec toi. Akudo, dis-moi la vérité. Tu es amoureuse du roi? Papa, pourquoi ce genre de questions? Je ne ressens rien pour le roi. J'aime beaucoup Udoka. Je ne peux pas l'abandonner pour une raison quelconque. Tu l'es dit pour me convaincre ou pour te convaincre toi-même? Papa, ça c'est quelle question? Oui, parce que je vois ce qui est derrière de ce que tu veux que tout le monde voit. Je suis ton père. Je t'aime. Et je veux que tu sois heureuse. Papa, nous avons beaucoup traversé avec Udoka. C'est ce que je t'ai demandé? Hein? Papa, laisse-moi tranquille. Akudo, ça fait combien de temps que tu as ces sentiments pour le roi? 4 ans. 4 ans, papa. Ah, mon Dieu. 4 ans et tu meurs en silence. Que voulais-tu que je fasse? Qu'est-ce que le roi aurait voulu faire avec une fille comme moi? Je l'ai gardée pour moi-même et j'ai décidé de donner la chance à Udoka de venir officialiser notre relation. Ce qui est sûr, je ne vais pas épouser le roi. Mais tu as de la chance maintenant. Non, papa, j'en ai pas. Quoi? Je n'ai pas de chance. Je ressens de l'amour pour le roi, mais je ne suis pas stupide. Le roi ne va jamais m'aimer. Il m'a choisi pour une seule raison. Si ce n'était pas le cas, le roi ne m'aurait jamais regardé. Udoka même pour ce que je suis. Et je l'ai accepté pour rien. Amaka, oui, ma chère. Tu trouves pas que Akudo est vraiment spécial? Ça, c'est vrai. Elle n'est pas juste spéciale. Elle a vraiment quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas. Elle attire l'attention de tous les hommes de ce village. Et vous êtes là. De quoi vous parlez? Neka, ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème est que tu dois savoir qu'elle a le pouvoir. Tu as raison, c'est la vérité. Écoute, et l'unique façon de savoir sa source de pouvoir, c'est de lui faire un suivi. Et tu penses qu'elle ne va pas le savoir? Elle ne va pas le savoir. Et c'est la seule façon que nous pouvons savoir sa source de pouvoir, sinon on ne le saura jamais. Ça c'est vrai, oh. Tu as vraiment raison. Allons-y, non? Il n'y a pas de problème. Nous devons juste je peux vous dire en ce moment, c'est juste, suivez-moi. On te suit, qu'est-ce qu'on peut faire? Amaka, Chika,
pourquoi vous me suivez? Dites-moi pourquoi vous me suivez. Non. Nous sommes en train juste de passer. On ne te suit pas, oh. Comment elle a su que nous étions derrière elle? Je vous ai dit qu'elle a quelque chose de spécial. Tu l'as dit. Elle est spéciale. Je te crois maintenant. Pardon, allons-y. Allez où? S'il te plaît, allons-y comme ça. Elle pensera qu'on fait. Viens, on y va. Suivre. S'il te plaît, tout ce que tu veux que je fasse pour toi, je le ferai. Juste dis-moi comment elle fait, s'il te plaît. Écoute, si tu me dis juste comment elle fait, je saurai comment le faire moi-même. Je t'en prie, toi, dis-moi juste, que puis-je faire? Ok. Je vais les rendre très faciles pour toi. Oh, merci, oh, Uche. Ok. Je veux que tu te voies avec Akudo et parle avec elle. Ne vous inquiétez pas, je vais la demander moi-même. Hein? Mm-hmm. Je vais lui poser la question en disant que vous, les filles, vous vous questionnez pourquoi elle est devenue trop sérieuse. Et après, c'est là, je vais vous répondre. Vraiment ça, oh. Merci, Uche. Ah, c'est bon, Uche. Encore toi? Et tu crois que ça c'est la bonne manière de t'adresser à ta future reine? La seule place pour toi de devenir reine, c'est dans tes rêves. Alors la question est, es-tu prête à dormir pour le reste de ta vie? Tu sais, je ne suis pas venue ici pour m'amuser avec toi. Je suis venue te faire une offre. Reste loin du roi et je te donne 2 millions. 2 millions seulement? 3 millions. Monte encore. 4. Encore. 5 et ça c'est le dernier montant. Garde ça pour toi-même, Sandra. Je ne suis pas intéressée à ton roi. S'il te plaît, sors de ma maison. Ce qu'elle a dit m'a éloigné du stress. À quoi penses-tu? Je pense qu'elle a raison. Elle n'a aucun intérêt pour le roi. Oh, toi, ferme-la! Ça, c'est pas la réponse à donner à cette question. Mazé, bonjour. Bienvenue. Et ça fait un moment que tu es passé, hein? Et tu peux m'aider avec ça? Il y a quelqu'un dont je veux avoir le numéro pour qu'il puisse me donner le numéro d'une autre personne. Allez, gosse. Ah, Mazé, tu as le téléphone pour retrouver tous ces dons tu as besoin. Qu'est-ce qui m'intéresse là, alors? La personne dont je suis en train de parler est la fille de mon meilleur ami. Elle est très, très jolie. Hein? En fait, tu sais, quand je l'avais vue pour la première fois, j'avais pensé qu'elle est la fille de la reine Elisa. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être la fille de mon ami. Elle est vraiment très belle et je la veux pour le roi. De telle sorte que le roi puisse ôter ses yeux de Akudo. Mais on a dit qu'elle avait déménagé. Et depuis lors, je cherche à l'atteindre, mais ça passe pas. DM. Mazi, c'est un message direct. DM. Donc je vais t'aider. Merci. Ah.
Mazi, tu n'es pas même sur la page Facebook. Ça, c'est Candy Crush. Ce n'est qu'un jeu. C'est quoi ce jeu là? Oh. Mazi, tu sais quoi? Donne juste le nom d'utilisateur à qui tu veux te connecter. C'est difficile. Regarde, je suis en train de te dire, c'est la fille de mon ami. Et là, tu es en train de chercher le nom d'utilisateur. C'est quel nom d'utilisateur? Alors, Mazi, que j'entre seulement sur Facebook où j'écris la fille de ton ami. Voilà. Mazi, prends ton téléphone. Je ne suis pas ici pour ça. Mazi. Vraiment, il y a un gros poisson qui cherche à ce qu'il attrape sa proie. Qu'est-ce que c'est? Udoka. Il a été arrêté par les rois. Doka arrêté par le roi Hiro. Mais je pensais qu'il m'aurait dit qu'il venait chez toi. Oui, il était chez moi hier. Mais il a dit qu'il va aller prévenir les rois de rester loin d'Akudo. Mais je lui ai dit que ça, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Mais tu connais Udoka, non? Hein? Il est allé faire face. Regarde maintenant ce qui lui est arrivé. De toutes les façons, si je suis en train de traiter son cas avec beaucoup plus de justesse, c'est parce que son père était mon ami. C'est pourquoi je le traite comme ça. Je peux faire des choses. Mais tu sais très bien, non, je viens d'une famille de guerriers. J'ai tué quelqu'un pendant la guerre. Hein, Mazé, je pars voir mes pièges. J'arrive, hein? On fait quelque chose rapidement à propos de Doka. Il n'avait pas mangé. Ne t'en fais pas. Je vais vraiment y réfléchir là. Hey! Qu'est-ce que je te fais? Pourquoi tu me laisses pas tranquille? Tu as dépassé la limite! Alors sois prête pour le combat! Toi, dis ce que tu veux. Va dire à votre roi de libérer Udoka maintenant. C'est sous l'ordre du roi que votre fils Udoka a été retenu ici. Jusqu'à ce que le mariage du roi et d'Akudo sera conclu. Va dire à votre roi de libérer mon fils. En fait, qu'est-ce que tu dois lui dire? Dis-lui d'aller se faire foutre. Qu'il s'en aille. Il ne peut jamais dans sa vie épouser Akudo. Je vais lui montrer que je suis de la lignée de guerrier. Et tel qu'il est là, il ne s'en sortira jamais. Je te le dis, tu dois le savoir. Et mon ADN ne changera jamais. Et tu vois votre chef là de Hiro. Hiro. Il ira de Hiro à zéro. Oui, okay. Je vais le convertir de Hiro à zéro. Mazi, as-tu fini? Pour l'instant, oui. As-tu fini de parler? Maintenant, tu peux sortir. J'ai dit sort. Que je sorte. J'ai dit sort. Allez, viens le faire sortir. Ouvre la porte. Allez, sort. Ne laisse plus entrer cet homme dans cette parcelle. Est-ce que tu m'as entendu? Idiot.
Ria. Pourquoi tu perds la tête? Pourquoi? Francis, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire. Et la fille a dit qu'elle n'est pas intéressée par le roi. Et tu as cru à cela? J'étais supposée de faire quoi? Lui jeter l'argent par terre? Lisandra, écoute. Écoute Sandra, l'argent est le pouvoir de la force. Tôt ou tard, Akudo finira par réaliser ce qu'il rate en acceptant que le roi souffre. Ton travail est de faire que cela n'arrive pas. J'ai supposé de faire quoi? Prends le contrôle de son petit ami Udoka. Achète-lui avec l'argent, le sexe, je ne sais moi, tout ce que tu peux. Et dis-lui de faire avancer sa relation avec Akudo pour ne pas venir déranger ta relation. Tu as dit que ça va marcher? Je te dis, crois-moi, je sais très bien manipuler le jeu. Et je crois que c'est ma destinée. Vois ce que tu peux faire. Et tu verras que le roi ne pourra plus jamais regarder Akudo. Il sera pour toi seul. Tu sais, je ne regrette pas de venir avec toi ici. C'est vrai qu'on t'appelle la reine de la manipulation. Oh! Tu peux encore le dire. Un vieux fou. Lorsque toi-même tu voudras, tu iras chez toi à la maison. On verra qui va se fatiguer. Je ne bougerai pas de votre portail jusqu'à ce que je frapperai le roi. Après, je verrai mon fils. Non. Je dois d'abord commencer par voir mon fils. Après, je frapperai le roi. Que pense-t-il? Qu'il est capable de diriger tout le monde? Hein? Ce n'est pas un règne de dictature. On lui apprendra que toute femme n'est pas à toucher. Le serpent! Le serpent! Le serpent? Le serpent. Il est où le serpent? Oui. Il est où le serpent? Je l'ai vu dans ma dans chambre. Dans ta chambre? Ok. Oui, viens. Qu'est-ce que c'est? Comment veux-tu retenir l'amour de ta vie? Assez d'en souffrir pour en avoir. Ah, ah. Mais je n'ai trouvé aucun serpent ici. C'était cette ceinture. Je pensais que c'était un serpent. C'est bon alors, laisse-moi alors rentrer dans mon poste de travail. Jusqu'où tu vas continuer avec cette attitude? Jusqu'où? Yeah. Est-ce la meilleure façon de saluer ton vieux comme ça? Je me demande de savoir qu'est-ce que tu as pu apprendre pendant que tu étais à l'école. Mais tu connais bien que ça, ce n'est pas le comportement d'un vieux. Je ne t'ai même pas dit que je suis un ancien. C'est quoi ton problème? Hein? Je n'ai même pas le temps d'engager même une petite querelle avec toi. Hein? Alors s'il te plaît, si tu as quelque chose que tu es venu faire au palais, va là-bas, la porte est ouverte. Fais ce que tu as à faire et va-t'en, hein? Moi, je pars où? Le vieux ne font pas comme ça. Tu vas rester ici. Tu sais continue quoi? Avec ton attitude. Tu sais quoi? Tais-toi. Va-t'en.
Va-t'en, tais-toi. Ok, reste là. Un autre serpent? Non, pas de serpent. Je suis venue te remercier pour l'aide que tu m'as apportée la nuit dernière. Pour t'éprouver ma gratitude, je t'ai préparé cette salade. Waouh! W-O-W. C'est si gentil de votre part. Merci. Je t'en prie. C'est bon. Il est temps de partir. Ok, c'est trop rapide. Je pensais que... Écoute très bien ce que je vais te dire. Ce que tu dois savoir, nous avons fait un engagement. Rien de plus. Tu ne dois pas l'oublier. Du pur business. Ok. Je vais garder ça comme ça. Fais ce que tu dois faire. Ta vie en dépend. Habille-toi et va-t'en. Et pourquoi tu vas les graver dans ta tête? Je veux que tu saches que tu es meilleur. Tu es la meilleure chose que j'ai eue. Ça fait des années. Merci. Laisse-le d'abord s'habiller. Il y a encore du temps, ok? Merci. Les modestes n'ont pas de place parmi les criminels. Tu dois partir avant que le garde vous trouve ici. Maintenant. D'accord. Maintenant, pars. J'arrive. Hé, Akudo, Akudo, pardon. Hein? Pardon, n'étais-tu pas? Hein? Ah? Le roi doit me libérer au doc aujourd'hui. S'il ne le fait pas... Non, ne fais pas ça. Hein? Essaye un peu de me regarder. Regarde-moi. Papa, hein? Je jure sur la tête de ma mère, je préfère mourir. Hein? Je suis resté uniquement avec toi. Oh, hein? Tu es unique. Hey! Hein? Okay, papa, je sais. Pardon. Hein? Hein? Tu restes avec moi ici. Hein? Tu restes ici. Tu es ma fille unique. Hein, tu es ma fille, c'est pourquoi, Hey! Aïe, Akudo! Reviens ici, pardon! Hey! Akudo! C'est qui ça? Et qu'est-ce que cela veut dire? On nous a déjà fortifié contre toutes ces armes. S'il te plaît, tu peux enlever ton arme. Va à l'intérieur et libère-moi, Udoka. J'ai dit de baisser ton arme. Akudo? C'était un honneur pour moi de te recevoir ici dans mon palais. Je ne suis pas là pour blaguer avec toi. Libère-moi, Udoka. Et si je ne le fais pas? Je vais tirer. J'espère que tu réalises que tu es dans mon palais et j'ai mes gardes avec moi. Qui sont bien formés et qui peuvent tout retourner contre toi. Roi Hiro, je la paix avec mon Dieu, alors je suis prête à mourir. Je sais que je peux mourir. Mais avant que cela n'arrive, je veux me rassurer de tuer beaucoup d'entre vous.
Alors si tu ne veux pas que cela n'arrive, tu n'as qu'à libérer Udoka maintenant. Akudo, sais-tu au moins ce que tu es en train de Libère-moi, faire? Libère-moi Udoka, sinon je tire, je suis sérieuse. Relâchez-le. Relâchez-les. Oui, vas-y. Va vite. Le roi l'a demandé. Allons-y. Maintenant, tu viens encore me donner une autre raison qui fasse que je t'aime énormément. I feel alright. True love is sad. Arrête, s'il te plaît. Attends. Non, je veux pas. Viens. 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 Allez, arrête. I feel alright. True love is sad. Oh, jeune demoiselle. Comment ça va? De même. Où vas-tu comme ça? Bien, comme tu peux le voir, je pars voir mes pièges. Je vois. Es-tu au courant qu'Udoka a été libéré? Udoka? Libéré? Depuis quand? Il y a quelques jours passés. Si tel est le cas, mes pièges peuvent attendre. Je vais aller voir Udoka. Je ne comprends pas. Si tu avais anticipé sa libération, pourquoi tu n'étais pas parti le voir lorsqu'il était encore en prison? Ou encore, lui venir en aide? Oui. Tu penses que je pars voir Udoka parce que je l'aime beaucoup? Je ne sais pas. C'est ça? Ou bien tu penses que je pars voir Udoka parce que je veux... Udoka a mon argent. Obika? Hola, il doit me restituer de l'argent. Et je pars pour mon argent. Hola. Je vois vraiment dans le noir. The king of the kingdom, king of the people, and he has so many missions. Who affected with affliction, he's the ruler of the land. King on the throne, and he has so many missions. But affected with affliction, he's the king of the kingdom, king of the people, and he has so many missions. Là, il y a 100 000 naira. Je veux que tu l'utilises pour le préparatif de ton mariage. Je te donnerai le reste de l'argent quand je verrai que tu es vraiment sérieux. Merci pour ça. J'apprécie. Alors dis-moi un peu, quand est-ce que j'aurai le reste? Bientôt. Je sais très bien que je dois garder ceci professionnel, mais je dois t'avouer que tu es la meilleure femme à qui je n'ai jamais fait l'amour. Tu es vraiment sérieux? J'ai toujours été sérieux dans ma vie. Ok. On va se revoir très bientôt. Sois juste patient. Ok. Thank you.
m'a envoyé. Pardon, prochainement, je vous en supplie. Quand c'est monsieur là-bas qui envoyé, dis-lui que tu ne connais pas où arriver. Je ne connais pas la vie. Je ne connais pas. Ajoute-lui, ajoute-lui, ajoute-le. Vous en supplie. Il faut les dire. Ça fait mal, ça fait mal. Ne viens plus jamais ici. Dis-lui que tu as oublié. Laisse-lui, laisse-lui, ça suffit. Laisse-lui, laisse-lui. Attends, idiot. Viens prochainement. Tu verras. Tu verras, attends. Tu verras, idiot. Tu t'es comporté comme ton père. Ils ne feront rien, papa. Amouche, je suis fatiguée de tous tes mensonges. Tu fais tout de ton possible pour me prendre Udoka. C'est quoi ton problème? Laisse-moi tranquille. Akudo, s'il te plaît. Je sais que je n'ai pas raison pour te dire que tu me crois. Mais je ne te mens pas. Akudo, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne suis plus l'ancienne Amouche que vous connaissez. J'ai fait vraiment de tout mon possible, oui, pour ne plus avoir tort. Et c'est pourquoi je t'ai dit la vérité. De quelle vérité tu parles? Udoka connaît ce qu'il fait avec les rois. Ils ont une affaire. Amouche, tu ne changeras jamais cette fille. S'il te plaît, je n'ai pas le temps pour toi. Laisse-moi continuer mon chemin. Je sais ce qui se passe entre vous deux maintenant. Mais je prie que quand vous allez le faire, qu'il se retombe sur vous-même. Onoche, comment pouvais-tu faire quelque chose de très terrible? Comment pouvais-tu? Et quand ils ont frappé mon fils, qu'est-ce que tu avais fait à propos de cela? Ou qu'est-ce que tu avais dit à propos de cela? Onoche, ce n'est pas pour toi une raison de frapper quelqu'un venant du palais. C'est bien. C'est un acte de rébellion. Je me suis rebellé contre le roi. Ce que tu as à faire maintenant, c'est d'aller appeler les gens pour venir me tuer. Non mais arrête-moi ces aventures. Onoche, est-ce que tu te rends compte des actes que tu poses? C'est un comportement répréhensible. Tu ne te comportes pas comme un ancien. Est-ce que je t'ai dit que je suis un ancien? Et je t'ai dit quelque chose pareil. Je suis un notable, ne me traite pas d'ancien. Ce qui est important pour toi à faire maintenant, c'est de te lever et aller. Je ne vais pas faire quelque chose que tu ne vas pas aimer. Lève-toi, non? Onoche, tu m'as compris. Lève-toi. Va-t'en, 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 va-t'en. Vas-y. Ne reviens plus. Ose encore revenir me dire des bêtises, hein? Je ne sais même pas pourquoi c'est quand tu viens, je te donne une chaise. Tu dois te lever et t'adresser à moi comme ça. On a fait de toi de Onowu. Onowu. Igwe. Ils ont dépassé leurs limites. Ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Va te nettoyer. J'ai dit va te nettoyer. Akudo. Oh, wow. Comment vas-tu? C'est quoi ton problème? Ces derniers temps, je te vois pas, même là où on vend, c'est quoi? Ma chère, ces derniers temps, mes affaires ne marchent pas. En tout cas, il y a 2 semaines déjà, donc je suis tellement découragée. Oh, si tel est le cas, tu veux quoi? Que je te change de business ou quoi? C'est quoi? Non, des questions. C'est pas un problème. Je voulais te dire quelque chose. Ok. J'avais vu Amouche dans mon quartier l'autre fois. Elle m'a dit qu'elle a vu Udoka ensemble avec Sandra. Elle dit qu'ils ont une affaire ensemble, blablabla. Bla bla. Je ne sais pas quand est-ce qu'Amouche va arrêter avec ses histoires et laisser cet homme tranquille. Cette fille, vraiment. Oh. Akudo, je suis désolée de te contredire, mais ces derniers temps, elle est vraiment véridique. De quoi parles-tu? Quelle vérité? Je les avais vus eux deux. Qui? Dis-moi. Udoka et Alexandre. Ah,
C'est vrai que Udoka a quelques affaires avec le roi ces derniers temps. Non mais t'es sérieuse là? Je suis sérieuse, je les ai vus aider à plusieurs reprises. Akudo, écoute, viens d'abord. Viens, viens non, Akudo, viens. The king of the kingdom, king of the people, and he has so many missions. For affected with affliction, he's the ruler of the land. King on the throne, and he has so many missions. But affected with affliction, he's the king of the kingdom, king of the people, and he has so many missions. Affected with affliction, he's the ruler of the land. King on the throne, and he has so many missions. For affected with affliction, Zabit, Zayilili Manazamona, Zabit, Zayilili Manazamona, Zabit, Zayilili Manazamona, Zabit, Zayilili Manazamona. King of the kingdom, king of the people, and he has so many missions. For affected with affliction, he's the ruler of the land. King on the throne. J'ai appris qu'aujourd'hui c'était ton anniversaire. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu t'intéresses à mon anniversaire? Joyeux anniversaire, Mazé. Aïe! 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 Je veux dire... Hey, toi, arrête de parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne fais que dire des bêtises. Et tous nous savons qu'il devait être en relation avec une autre personne. Hein? Et c'est maintenant que tu viens raconter des bêtises. Maintenant, mon fils est prêt, financièrement prêt, pour venir payer la dot. Et tu ne fais que dire des bêtises. C'est normal. Hein? N'importe quoi. Amouré, tu dis. Hein? Comment es-tu sûr qu'ils s'aiment l'un et l'autre? Comment es-tu sûr? Si tu t'es mis à raconter ce genre de propos, tu es vraiment sûr que même la varicelle va te déranger à cause de cette bêtise que tu as sortie que ta fille pour se marier, c'est Onochi. Onochi, n'ose pas d'insulter mon intégrité. N'ose pas. De toutes les façons, tu es bêtisant. Si j'étais cupide, je ne devais pas avoir cette vie. Si j'étais cupide... Ma fille, vraiment, n'aurait pas aucune raison avec ton fils. Regardez-moi ses yeux. Regarde-toi. Parce que nous avons permis une famille rejetée de vivre dans notre famille. Une famille riche. Écoute-moi. Écoute-moi. Est-ce que connais-tu combien des hommes qui viennent chez moi pour demander la main pour marier ma fille à Kudo? Je sais. Je sais très bien. Je sais très bien. Hein? Je les connais très bien. Tout le monde, les capitaines, les mécaniciens. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, puisque c'est mon fils ça. Je pense que tous les deux, nous sommes au village. On verra. Tu vas vraiment fuir ce village. Tu fuiras. Et son argent va te chasser. Ça va te chasser. Ça va te chasser. Va-t'en, laisse-moi les bruits. Un menteur, un escroc, un vaurien. En plus... C'était par erreur qu'ils t'ont donné ces bérets rouges. C'était l'erreur.
Ah ah! C'est quelle imbécilité! Ça, c'est quelle stupidité que tu crois faire! Lysandre, je peux être un garde du palais, mais je ne suis pas stupide. Et je ne suis pas un fou. Toi et moi savons mieux. Ce bébé que tu portes en toi m'appartient. Le roi est le responsable de ma grossesse. Quel roi? Le roi que j'ai connu, et celui que tu connais, est improductif. Dis que, qu'est-ce que tu veux de cet enfant? Qu'est-ce que tu peux faire d'un enfant? Maintenant, tu réfléchis. S'il te plaît, écoute-moi. Viens d'abord. Je sais que je ne mérite pas d'être ton mari. Mais je peux très bien prendre soin de toi et de notre enfant qui n'est pas encore né. Oui, bien sûr. Écoute-moi, bébé. Nous devons être sincères. Nous pouvons même partir jusque chez le roi et même lui dire. Je suis sûr qu'il pourra même nous soutenir, sponsoriser notre mariage. Oui. Là, ça sera si tu acceptes d'être de mon côté. Et si je disais non? Alors tu ne me laisses pas d'autre choix que de venir prendre mon enfant une fois qu'il sera né. Alors tu pourras partir où tu veux, continuer ta vie. Mais ça sera après que tu aies mis au monde. C'est bon, j'accepte. Bien sûr. Bien sûr, j'accepte. Je ne savais pas que ça allait être si facile. Oh Dieu, Lysandre. Je t'ai promis que je t'ai rendrai heureuse. Maintenant là, j'ai un peu du boulot à faire. Je te verrai plus tard. Je dois maintenant partir. C'est bon, ça va. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mon roi, c'est ce matin que je suis venu à mon poste de travail. Et c'est là que je l'ai trouvé allongé par terre. Oui,
mission. Est-ce que quelqu'un l'avait vu avant de le rencontrer ici? Je ne pourrais pas savoir, mon roi. Dike! Ah! King of the people, and he has so many missions. Emmenez-les à la mort, comme ça je vais suivre. Pourquoi moi, Oma? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi Udoka m'a fait ça? Ma chère, ça va aller. Prends courage et concentre-toi à l'essentiel. Tout cela passera. Ça va aller. Oh. Oma. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos de ma relation avec Udoka. Je connais tout cela. Je connais que tu as beaucoup fait pour lui. T'inquiète. Tu connais? Dieu te récompensera. Akudo, tu es mon ami. Je souhaite que tu sois heureuse en toutes choses et non malheureuse. Tu pouvais cacher cela à tout le monde, mais pas à moi. Je sais que tu ne l'aimes pas. Mm-hmm. Mais j'avais accepté d'être avec lui. Mm-hmm. Parce que je croyais qu'il m'aimait. Le jour où je suis partie au palais pour mm-hmm. le libérer. Ok, ok. J'étais prête à donner ma vie pour lui. Mm-hmm. Et pourquoi il m'a fait ça? Akudo. Regarde-moi. Tu aimes qui vraiment? Qui? Je suis désolée, mais je ne peux pas en parler. Bien sûr que oui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors arrête de pleurer. Est-ce que tu deviens folle? Tu es quel genre d'homme, toi? Pourquoi tu nies ça? Nier quoi? Comment peux-tu dire que je suis responsable de ta grossesse? C'est parce qu'on l'a fait. Tu as laissé ta semence dans mon ventre. Es-tu sûr que ça va? Clairement, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Comment pouvons-nous arriver à le faire pendant que je ne peux même pas avoir une érection? Ça s'est fait, mais tu étais ivre ce jour-là. Écoute-moi. Si c'est avec ça que tu essayes de me faire chanter, alors tu as joué à la mauvaise carte. Je ne suis pas ce que tu penses. Alors ne me mets pas dedans. C'est vrai. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire ou à quel jeu tu veux jouer. Ce bébé t'appartient et tu dois prendre tes responsabilités que tu le veuilles ou pas. C'est clair que ta tête ne fonctionne non, plus bien. Non, je ne suis pas. Crois-moi, je t'ai dit que ce bébé t'appartient et tu vas prendre tes responsabilités que tu le veuilles ou pas. C'est clair que tu es hors de ta non, tête. Non, je suis normal. Je ne suis pas d'accord avec vous, papa. Arrêtez, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Arrêtez, non, arrêtez. Arrêtez. C'est comment tu es? Tu ne suis pas stupide, toi? Regarde cette bataille que nous sommes sur le point de gagner. C'est maintenant que tu cours après la fiancée du roi. Tu n'es pas stupide? Papa, regarde-moi. Tu dois aller demander pardon à Kudo. Et va lui demander si tu refuses. Ne reviens plus jamais dans cette maison. Papa, laissez-moi vraiment être clair avec vous. Hein? Si Akudo est très importante, vous êtes célibataire. Pourquoi n'allez pas l'épouser et devenir votre femme? Ok, les esprits des autres te localisent. Sans effet à toi et tes générations. Sans effet. D'ailleurs, je ne te condamne pas. Je condamne Ademo qui t'a donné naissance. Si j'avais épousé une femme obéissante, tu serais aussi obéissant. Regarde comment tu te comportes comme un sorcier. C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas obéissant, vous. Et voilà pourquoi vous avez épousé une femme insensée. Hein? Je vous parle. Venez. Oui, je vous parle. Tu t'adresses à moi. Je vous parle. Bête. Égoué. Après avoir pensé et réfléchi sur cette situation, nous avons atterri par une unanime conclusion
que vous puissiez mettre de côté Akudo et épouser votre fiancée. Au nom de Dieu, je n'ai pas couché avec Lisandra. Igwe, êtes-vous en train de nous dire qu'elle était venue ici enceinte? Ou vous voulez que nous puissions croire que Lisandra est une prostituée? Je n'ai pas dit ça. Je veux juste dire que... Écoutez mes anciens, je me rappelle très bien vous avoir dit qui m'a fait revenir en vie. Oui, Igwe, tu l'avais fait. Mais nous n'avons aucune raison de croire que ce n'était pas Sandra. Qui t'a fait d'être en vie? Moins encore sa présence. Ou bien tu veux nous faire croire que quand tu étais ensemble avec la fille du Mésier, hors mariage, c'est eux, non. Nous avons une forte raison de croire que Sandra vivait en commun. Merci. Mais pas Akudo. Pardon, nous ne pouvons pas. Quelles raisons que peuvent nous faire croire que Akudo l'a fait? Je jure que je n'ai pas couché avec Lisandra. Igwe, comment tu peux expliquer du fait qu'elle est grosse? Oh! Je ne peux pas rester assis et entendre toutes ces bêtises. Igwe, vous êtes l'Igwe de Umuike. Et nous sommes la classe dirigeante. Un roi n'est rien sans le conseil de sages. Donc, nous insistons que vous puissiez vous incliner à notre loi et rester loin d'Akudo. Votre fiancée est grosse de vous. Nous sommes en train d'attendre votre jour du mariage. Igwe, je suis vraiment désolé pour votre chèque. Mais, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour résoudre cette situation? Oui. Et qu'est-ce que ça devrait être? Va-t'en. Hein? Sors de ces palais. Que je sorte. Je peux vous aider. Non, si j'étais à ta place, toi, j'allais vraiment faire de mon mieux et danser pour ton amour afin qu'il soit aéré. Mais quelqu'un m'a dit... Qu'est-ce que tu entends de dire, Akudo? Qu'est-ce que tu entends de dire? Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Parfois, tu dois comprendre qu'on t'aime beaucoup et que tu ne dois pas prendre n'importe quelle décision. Tu dois éviter de prendre des décisions qui indisposent ceux qui sont autour de toi. C'est pas bien. Tu dois vraiment être prudente quand tu prends des décisions pour ta propre vie. Tout ce que tu fais, c'est ta vie et Dieu. Tu m'écoutes? Simple. Tu m'écoutes? Akudo. Mais que ferait ici le roi ne pas intéressé? Comment est-ce possible que le roi s'intéresse à toi? Réfléchis sur ça. Oh ma chère. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? J'essaye de dormir. Cet enfant ne me laisse pas le temps de se reposer. Je ne peux même pas faire mes activités habituelles. Je ne peux pas me laver, je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir seule. Alors je suis ici pour dormir avec toi. Et comment est-ce que ça me concerne? C'est tes affaires parce que tu es le père de cet enfant. Alors tu es concerné. Quelque chose ne va pas bien avec toi, tu le sais? Hey, qu'essaies-tu de faire? Le bébé a besoin de l'affection. Dis-lui de le faire avec les intestins qui sont dans ton ventre. C'est beaucoup mieux pour ce qu'il veut. Hmm.
Non mais Akudo, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux? Une chance pour m'expliquer. Et que veux-tu m'expliquer? Je ne m'intéresse plus à ce qui te concerne. Regarde, je sais que tu m'aimes et je... Je sais que tu t'es trouvé mis ailleurs, s'il te plaît, laisse-moi. Akudo, s'il te plaît... Elle m'a giflé, hein? Est-ce que vraiment c'est la femme que je dois épouser? Papa? Ah, ma fille. Comment ça va? Je vais bien, papa. As-tu mangé? Oui. Ah, c'est bien. Papa? J'ai quelque chose à discuter avec toi. C'est quoi? J'ai décidé de accepter la proposition du roi. C'est quoi? Ça, c'est ma fille. C'est une bonne décision. Une très bonne. C'est ce que tu penses? Honnêtement, elle est très bonne. Je suis content maintenant. Akudo. Mais papa, j'ai peur. Père? Je ne sais pas si le roi m'aime. Non. Je pense que ce que tu dois faire, c'est... va chez lui. Et découvre. Visite-lui. Visite-lui, non. Visite-lui. Fais-le. Tu vas le faire? Tu vois? Je le ferai. C'est ça, ma fille. Vas-y. L'enfant t'appartient. J'espère que tu es en train Ne te dérange pas, j'ai tout planifié. Je l'ai donné au roi et tout le monde croit que c'est lui qui est le responsable de ma grossesse. Il est mieux. Parce que maintenant, je ne suis pas prête à assurer ce genre de responsabilité. Regarde-toi, Odoka. Tu sais que Dick était prêt à perdre son travail parce qu'il pensait que cet enfant était sien. Et il était aussi prêt de tout arrêter et m'aimer sans pour autant que les gens soupçonnent que nous sortions ensemble. Et tu es là pour me dire que tu n'es pas prêt à prendre la responsabilité de cette grossesse? Tu étais en train de coucher avec lui aussi? Oh, intéressant. Alors, dis-moi, combien de fois avez-vous fait l'amour? Parce qu'il semble que votre partie intime est vraiment devenue disponible à toute la communauté. Ferme-la! Tu es malade ou quoi? Qui te permet de me parler de cette façon? Fils de perdant. Tu m'as giflé? Non, c'était juste un petit rappel, bro. Dégage ton sale corps sur mon chemin. Bâtard. Sors d'ici. Sors d'ici. Je te demande de sortir d'ici. Bâtard. Attends. Akudo, tu es la bienvenue, mets-toi. Quand tu m'avais demandé si j'avais des sentiments pour toi, tu avais dit non. J'avais menti. Je le savais. Mais le mensonge ne se cache pas loin. Alors, c'est mon tour de te demander. As-tu déjà ressenti quelque chose pour moi avant? Je suis sûr que tu connais la réponse à cette question. Oui. C'est pourquoi, quand je te vis pour la première fois,
Akudo, c'est ce que les dieux ont prévu que ce soit. J'ai une question. Ok. Est-ce que tu m'aimes vraiment? S'il y a un mot plus puissant que l'amour, c'est ce que je ressens pour toi. Le mot amour ne suffit pas pour exprimer tout ce que je ressens. Tout ce que je ressens pour toi. Crois-moi. Hein? Papa. Bon après-midi, papa. Papa, bon après-midi. Mais je vous salue, non? Bon après-midi, bon après-midi, bon après-midi. Je sais que tu es bon à faire, hein? Tu continueras à saluer jusque dans ta tombe. Insensé. Ah, papa, qu'est-ce que c'est, non? C'est quoi les problèmes encore, hein? Hein? Regarde comment tu te comportes. De manière irresponsable. Regarde la manière dont tu te comportes vraiment. Alors je me décide d'aller prendre une bonne femme pour toi, pour que tu puisses te calmer. Hein? Et maintenant, tu as abandonné et c'est Igwe qui évolue pour épouser la dame. Et te voilà en train de me demander ce qui se passe encore. Mais papa, tu m'avais dit que les membres du cabinet avaient décidé que Igwe ne peut pas l'épouser, non? Même si Igwe ne l'épouse pas, nous ne voulons pas qu'elle épouse une autre personne. N'est-ce pas déjà tard? Mon fils est insensé, c'est tard. Il est déjà tard pour toi ainsi que pour moi. La meilleure chose à faire, c'est aller dehors chercher de l'argent afin de payer ma dot pour que tu m'épouses. Tu vois, n'importe quoi. C'est vraiment comme ta mère que tu te comportes. D'ailleurs, c'est mieux que je m'en aille, au lieu de regarder le visage de l'idiot que tu es. Kendo, laisse-nous seuls, ok? Qu'est-ce que nous devons faire à propos de cette fille? Il est temps d'en finir avec cette fille. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme la tuer? Francis, je n'aurai pas le sang d'une autre personne sur mes mains. Pas à prédiquer. Lissandra, c'est difficile d'être mère pour la première fois. Et ça devient facile quand tu le fais la deuxième fois. Après ça, ça devient une habitude. Et la seule chose que tu fais, c'est donner des instructions. Ce n'est pas comme si tu m'aidais pour que le plan puisse réussir. Écoute, penser à toutes ces idées, c'est un grand exercice mental. Je l'ai fait plus que toi. Et qu'est-ce que tu regardes ici, fou? Sois désolé pour tes pauvres parents.
Je t'ai averti, Akudo. Mais tu as choisi d'être la mouche qui suit les cadavres jusqu'à la tombe. L'œil de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que tu viens toujours vers moi? Et je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai de la haine qu'une personne fait semblant. Qu'est-ce que tu fais avec le roi? Je te demande pardon. Et Zéro ne pargne personne. Ça doit cesser. Je ne peux pas me laisser intimider comme ça. Ezewaye, montre-toi. Montre-toi toi-même. Qu'est-ce que tu as à voir avec le roi? Ichie. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, ça l'est. Tous les autres rois qui ont régné sur Omoike l'ont fait. Tu veux dire que je dois dormir dans ces sanctuaires pendant 3 jours pour être fortifié avant d'être couronné? Oui. Si vous ne le faites pas, vous ne deviendrez jamais un roi. Est-ce que mon père l'avait fait? Oh, bien sûr, il ne t'a jamais dit qu'il l'avait fait. Il me l'avait dit, mais je l'avais juste pris comme ça. Tu sais que mon père aime trop raconter de bêtises. Et non, ce ne sont pas de fables. Il devrait absolument le faire et il l'avait fait. Tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de préparer. Aisez-moi et déjà après. Aussi longtemps que je le regardais, et c'est comme ça que je l'aimais encore plus. Plus loin allaient ses désirs, les désirs d'être avec lui, commençaient à refaire surface. Sa beauté me rendait dingue de lui. Ainsi, ça m'amenait les désirs qu'il puisse me pénétrer, enfin que je le ressente dans mon corps, pour que je puisse recevoir du plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Deviens mon amant, prince. Je veux juste que tu sois saturé de pouvoir de la protection. Et ça veut dire quoi? Je cherche à faire mon roi, ce que nous ne pouvons pas perdre du temps pour le faire ici. Où on peut faire ça? Fais-moi quoi? Plaisir. Si tu ne me laisses pas maintenant, je vais m'élever et sortir d'ici immédiatement. Et rassure-toi aussi que j'irai dire aux anciens ce qui s'est passé entre moi et toi pour que je sorte de ces sanctuaires avant le temps venu.
Maman il est. Et c'est comme ça que je le rendis impuissant. Comme ça que je me suis vengée à lui parce qu'il ne voulait pas de moi. Tu as brisé la malédiction. Et maintenant, je te détruis. Je ne suis pas une lâche. Et c'est très facile pour moi de te tuer. Retire-toi de moi ainsi que du roi. Personne ne connaît mon pouvoir. Je ne veux pas l'utiliser. Ça me rend très dangereuse. Retire-toi de moi. Le numéro 1 de toutes les femmes. Pas plus que toi, Doka. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu penses que les gens vont nous voir? C'était l'une de tes marchandises. Pourquoi tu as stoppé? Et pourquoi parles-tu comme ça? Je sais que tu m'aimes. Ok, je suis désolé pour la façon dont je t'avais traité dans le passé, d'accord? Mais regarde, maintenant je suis prêt. Je suis prêt à te donner une chance, ok? Waouh! Tu es sérieux là? Mm-hmm. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Merci beaucoup, Doka. Mais je pense que j'ai une très belle idée. Maintenant, c'est fait. Lave ça avec du savon pour que ça devienne trop propre. Utilise un bon emballage. Emballe-les bien. Et va les présenter à tes parents. Une très belle idée, oui. Oui. Et moi? Oui, très belle idée. C'est très bien ça. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive, oh? J'ai cru t'écouter dire que tu n'étais pas intéressé au roi. Bon, j'ai changé d'idée. Tu as changé ton avis. Mm-hmm. Tu réalises que je suis enceinte de lui. Oh, vraiment? Waouh! Félicitations, future maman. Je ne suis pas venue ici pour jouer avec toi ou faire n'importe quel jeu avec toi. Alors Sandra, pourquoi tu es là? Si tu es là pour m'acheter encore, oublie ça. Écoute, je serai plus claire. Je suis pas venue ici pour t'amadouer. Je suis venue ici pour te mettre en garde. Tu sais ce que cela veut dire. D'autres relations amoureuses amènent à une autre. Mais d'autres relations amènent à la mort. Sois sage, ma fille. Et fais le bon choix. Je ne veux plus te mettre en garde. Ok. Je suis sûre que tu m'as bien comprise. Reste loin du roi. Je ne vais plus répéter. Patati patata.
Sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Avez-vous perdu quelqu'un? Elle m'a tout raconté. Et je crois que la police arrive déjà. Garde! Saisissez-la. Francine? Arrête-toi là! Tu penses vraiment que je mettrai fin à mon mariage à cause de toi, c'est ça? L'amour de Dieu, Francine, nous avons parlé de ça. Et tu avais dit que tu m'as pardonné. Cherche d'abord à te faire pardonner. Bien sûr que je le fais. De la même manière, les politiciens disent qu'ils sont incorruptibles. Mis en joie. La partie est terminée. Le chasseur a été chassé. Je vais m'en charger de toi. Je ne veux pas laisser ça comme ça. Je vais m'en charger de toi, Francine. Tu ne peux pas venger au vengeur. Ça ne se passe pas comme ça. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Enlevez vos sales mains sur mon corps. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Je vous Peter dis, enlevez vos mains. Je vous dis. Laissez-moi tranquille. He is the king of the kingdom. King of the people. And he has so many missions. Affected with affliction, he's the ruler of the land. King on the throne, and he has so many missions. But affected with affliction, he's the king of the kingdom. King of the people, and he has so many missions. For affected with affliction, he's the ruler of the land. King on the throne, and he has so many missions. For affected with afflictions, Zabit Zayilele mana zamona Zabit Zayilele mana zamona. Akudo, lorsque je t'avais vu dans cette cellule, j'avais eu une érection. Je n'avais plus d'érection jusqu'à ce que je te voie. Ça m'était arrivé parce que je t'aime. Honnêtement, je ne t'aime pas parce que tu m'as fait revivre. Si tu m'as fait revivre, c'est parce que je t'aime. Tu es rempli d'émotions. Oui. Tu ne sais pas par quelle émotion je suis passé depuis mon voyage. Je te remercie énormément d'avoir été à ma personne. Tu es la seule personne qui a accepté d'être avec moi lors de pire. Et de bons moments. Et cependant, tu m'as encore choisi. Pouvons-nous, s'il te plaît, faire de cette union celle la plus parfaite? Parfaite? S'il te plaît, Akudo, épouse-moi. It's the way you smile at me, and the way you call my name. Now you're calling it again. Say you're calling it again. I will never let you go. Won't let nobody come between. Stand with me, I'll stand for you. And now stand by you, true love. Oh,
écoutez, écoutez attentivement. Le peuple du royaume d'Umwike, notre roi, roi Iro Umuago Obikanko, le numéro 1 de notre royaume, il m'a demandé d'annoncer à tout le peuple de cette communauté de préparer le mariage coutumier qu'il organise et aura lieu dans les 40e jours du marché. Dès lors, il y aura beaucoup à manger et à boire, même prendre et rentrer avec ça à la maison. Moi, je serai là. Un homme averti en vos deux. Mais Dieu, d'ailleurs je partais chez toi. Ah, Itié. Qu'est-ce que tu as fait, hein? Pour cette méchanceté que tu as semée en moi, hein? Même Dieu ne va pas te pardonner, hein? Et sache que tu mourras avant l'heure. Et ton cadavre restera là-bas, ça va pourrir. Laisse-moi te dire que ça t'arrivera. Oh, Itié, à qui que tu parles comme un enfant? Bien, tu vois la bouche, hein, que tu utilises pour insulter la, que la foudre ça batte sur ça et que ça puisse enlever. Ah. Hein? C'est quoi ton problème, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux ce grand matin? Que la foudre ça batte sur toi et brûle ta bouche là de manière permanente. Insensé. Quel est ton problème? Ah, tu veux savoir mon problème? Mon problème est que quand je t'ai donné de l'argent, je t'en donnais d'ailleurs beaucoup. Et je te donne aussi beaucoup de cadeaux. C'était toujours merci papa, maintenant ce n'est plus merci papa, hein? C'est Oonoche. Laisse-moi te dire qu'il y a là du karma. Et ça va certainement s'abattre sur toi. Ah, insensé, n'importe quoi. Oonoche, que veut dire tout ceci? Je veux savoir ce qui est en train de se passer. Reçois-les. Hein? C'est même pour toute ta famille. Reçois-les. Si tu veux savoir, d'ailleurs, on m'avait d'ailleurs dit que tu aimes beaucoup l'argent. Vas-y. Vas-y, prends tes troubles et vas-y avec. Regarde-moi. Tu peux imaginer un vieux comme celui-ci. Idiot. Regarde-toi. Mon beau-père. Oui, mon roi. Je vais vous remercier d'avoir été un bon père, d'avoir élevé une bonne fille comme Akudo. Elle continue à avoir beaucoup de discipline dans sa manière de se tenir. Et je ne le prends pas pour un hasard et je suis reconnaissant à Dieu parce qu'elle m'appartient. Ce n'est que Dieu qui puisse vous récompenser pour tout ce que vous avez fait pour elle et surtout pour la discipline que vous avez mise en elle. Et pour te récompenser à ce grand travail que tu as bâti depuis toutes ces années, je t'ai acheté une nouvelle maison. Hein? J'aimerais aussi que tu commences une affaire qui va commencer à t'aider afin que tu ne te déranges pas assez et que tu aies une très bonne retraite. Hé, mon roi, je ne sais pas d'où commencer. Ah, mais tout ce que je peux dire, je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment, vraiment reconnaissant. Et je suis vraiment, vraiment heureux comme ma jeune fille est revenue vers vous. Oui, c'est bien. Et je vais dire encore merci beaucoup, mon roi. Et je promets que je vais très très bien prendre soin d'elle. Hé! Je dois déjà partir, mais je vais envoyer mes hommes pour qu'ils vous emmènent dans votre nouvelle maison et qu'ils viennent aussi vous chercher. Ah! Merci beaucoup. Merci énormément. Vous changez ma maison? Oui. Hé! Oui, Fancy, tu peux encore rester un tout petit peu. J'aurais vraiment souhaité rester avec vous. Mais je suis désolée, l'amour m'attend à la maison. Mais je promets, je passerai chaque fois vous voir. Surtout ces beaux rois que tu vas nous donner. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Oh. Aie un bon voyage, ok? Merci pour l'argent. Je t'en prie, ce n'est rien. Ok, laissez-moi me dépêcher. D'accord. But with you, I feel alright.
Alors on fait quoi maintenant? Akudo, je pense que ce n'est pas très très bien. Mais j'aime comment ça sonne. C'est du joyeux et pour toujours dans notre vie.